Nous sommes dans les Grands Fonds de Sainte-Anne. C'est une région que j'aime énormément, de par tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle peut apporter à la population. C'est une région qui a nourri pendant des décennies la population guadeloupéenne. On cultive aussi bien des féculents, du genre patates, igname, malanga, toutes les sortes de féculents qu'on peut rencontrer en Guadeloupe et qui se mangent ici dans les Grands Fonds. Nous les cultivons. Là, nous sommes venus vous présenter une variété d'annonay. C'est l'annonay cœur de bœuf qui est présent ici sous la propriété des consorts Lefette. C'est un fruit très apprécié par l'ensemble de la population de par sa saveur, de par ses propriétés et les nutriments qu'elle peut apporter à l'homme. Et nous sommes tout contents de le présenter pour que cette annonay soit connue par l'ensemble de la population, parce que nous avons l'intention de mettre en place un coffret pédagogique qui présente l'ensemble des cultures de la Guadeloupe. Nous allons voir Ananas Guamosa, communément appelé pomme cannelle, Zat, à La Réunion, à Thiers. Alors, c'est toujours un arbuste de 3 à 8 mètres de hauteur, ayant les mêmes caractéristiques de feuillage que Reticulata et Muricata, à la différence près où le fruit, la pomme cannelle, a la taille d'une pomme et le parfum de la cannelle, d'où son nom de pomme cannelle. Au niveau de sa morphologie, on peut constater qu'il y a des écailles par-dessus. À l'intérieur, c'est une pulpe blanche avec des graines noires aplaties. Elle fait l'objet d'une production intensive également dans les pays de toute la zone tropicale où elle est commercialisée, soit pour des sorbets, soit pour des jus frais ou en consommation directe du fruit mûr. Eh bien là, c'est le corosol. On a vu là le cœur de bœuf et là maintenant, c'est le corosol. C'est un jeune corosolier et qui amène déjà sa première production. Il produit un fruit de 15 à 20 cm de long, présentant une peau verte foncée qui devient jaune à maturité et également de nombreuses petites aspérités molles. À l'intérieur, nous avons une pulpe blanche avec des graines noires aplaties. Le goût est le goût sucré, légèrement acidulé, se rapprochant beaucoup plus du goût du litchi. En outre, il y a des applications médicinales qui sont faites avec les feuilles. Elles sont utilisées en infusion pour permettre de favoriser le sommeil, que ce soit des nourrissons ou des adultes. Elles sont également utilisées comme cataplasme lors de problèmes de peau. C'est un fruit qui a un pouvoir calorifique très faible. Ce fruit est très utilisé au Brésil et au Pérou pour la transformation en sorbet et en jus, où il y a de très grandes exploitations de corosoliers. La fécondation se fait de manière manuelle. Et elle donne de très bons résultats, les rendements sont très élevés. Nous voilà en présence du fruit de l'Ananas Guamosa ou pomme cannelier. C'est un fruit à l'extérieur où on a pas mal d'écailles. Et nous allons voir l'intérieur. Alors, il se présente de cette manière-là. Une pulpe blanche,
comme vous pouvez le voir, parsemé de graines noires aplaties.